Ben voilà. On savait bien hein, que ça allait arriver, mais on pensait pas que ça arriverait si tôt, on pensait pas que ça arriverait si subitement. On n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée pour Super TV et c'est Super Dimanche. T'as l'habitude. Puis aussi un peu nous, hein, parce que s'il y a que des noms de rue. En fait, quand on n'a pas d'idée, ben. C'est vachement difficile de faire quelque chose. On fait pas reportage animalier. Moi, ce que j'imaginais, c'est qu'on fasse une sorte de clip hyper bobo où on serait hyper beau. Mais toi, tu vas faire quoi là? Lui qui va à quatre pattes dans l'herbe, Malou qui raconte qu'il va à son ami, Federer qui va jouer. Puis c'est super dire ben, c'est super dimanche, c'est ça aussi super dimanche, je sais pas. Moi j'y étais pas parce que j'étais à l'anniversaire de mon ami Jonas. Je comprends pas ce que tu imagines et ce que tu imagines pas. Moi j'avais pensé à ce clip hyper bobo où on serait hyper beau parce que j'ai vu le concert de Do hier soir à Neuchâtel et. Ils étaient hyper beaux. Et après, aujourd'hui, j'ai regardé des clips d'eux sur YouTube et j'avais vachement envie de leur ressembler, de faire un truc un peu comme eux, avec des masques et puis... Enfin, pas des masques, ils font pas des masques, mais... des trucs un peu énigmatiques et mystérieux. Je me suis dit, oh, mais vraiment, avec Bastien, on fait toujours des trucs un peu... Soit on est ironique, soit on est un peu stupide, et puis j'aimerais bien des fois faire des trucs un peu beaux et mystérieux comme ça, ou même des trucs poétiques. Mais c'est un sujet tabou entre Bastien et moi. Moi j'avais l'impression que, vu qu'on n'avait pas le temps de faire vraiment une belle chanson, ou quelque chose, une œuvre un peu qui te transcende, alors autant faire un truc où on se moque de quelque chose, un peu une caricature, ou bien quelque chose d'un peu cynique sur un sujet, ou même faire du téléachat. Une super boque et un t-shirt super, vraiment, à la première personne qui nous envoie un thème pour Super TV, drôle, touchant, intelligent et poétique. À ce niveau-là, la journée, toujours pas d'idée de Super TV. Il n'y a absolument rien pour faire un épisode de Super TV à ce moment-là de la journée. Il est 5h, c'est la fin de la finale féminine de Roland-Garros. L'équipe de Suisse commence son match, deux coups francs vainqueurs de Barletta, 2-0, ensuite un pénalty transformé par Lampard, 2-1, au moment où on part de la maison avec les enfants pour aller au Grütli, c'est là où il va y avoir un spectacle, et moi je joue le soir. Cette semaine, moi j'étais vraiment stressé par l'optique de ces demi-finales entre Federer et Djokovic vendredi, donc jusque-là, franchement, j'ai perdu tous mes moyens, ça m'a complètement paralysé. Bon, il a gagné, j'étais hyper content, vraiment un soulagement, mais du coup j'étais vidé, quoi. Au niveau énergie, plus grand chose, quoi. Donc, voilà, je vais pas mettre la faute sur Federer, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais... Ou alors, on pourrait juste montrer qu'on passe un super dimanche. Bastien, il rentre dans 1 heure, à peu près... On verra, peut-être qu'il aura trouvé une idée. Bonne nuit, petite poulette. Il faut te coucher, ma chérie. Je vais bientôt rentrer sur scène, je crois. Et le maître sorcier, avec toute sa bande, il périt dans les flammes. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit, Malou. Bonne nuit. Bonne nuit, chou. À demain pour les tartines. Ciao, je vais attendre dans un petit moment. Faites l'abonnement. D'accord. Bonne nuit.
Voilà, je suis dans le bus pour rentrer et puis j'ai toujours pas d'idée quoi. Bon, je viens puis on fera le montage. Bon, là, il est minuit puis on ouvre une bouteille parce qu'on va commencer le montage. Parce qu'en général, on colle pas mal pour le montage. Un peu traditionnellement, on ouvre une bouteille de vin au moment où on arrive au montage. Et puis, force est de constater qu'au bout d'un moment que la bouteille se vide, on trouve notre montage très bien et finalement assez drôle et qu'on et est catastrophé. Et donc on le poste. On est catastrophé le lendemain matin en fait. Il est 3h30. La bouteille de rouge est finie et on va poster le... On vient de le regarder une dernière fois avant de le poster. Je crois pas que c'est l'alcool qui me fait dire finalement pour dire qu'on a mais pas si mal. Pas si mal. À dimanche, super dimanche prochain. Mais la semaine prochaine, c'est sûr, on aura une idée. Et elle sera super, vraiment.